Ok, eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais aujourd'hui bon, ce sera sans doute une mauvaise nouvelle pour vous, mais bon voilà, je tenais quand même à faire cette vidéo parce que bon, il y a plusieurs facteurs qui font que je vais faire une pause sur Dofus. Bon alors comme vous le savez, hein, depuis maintenant quelques jours, voire même quelques semaines, je m'ennuie un petit peu dans le jeu. Il y a donc plusieurs facteurs qui fait que je vais faire une pause. Alors une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas encore. Tout dépendra de ma vie, surtout IRL. Hein, bon. Donc en fait, il y a quatre facteurs, mais c'est vraiment, on va dire, les trois premières, c'est les plus importantes. Donc bon, alors déjà, le premier facteur, c'est en fait l'ennui dans Dofus. C'est assez simple, hein. Comme vous savez maintenant, ça fait un peu plus d'un mois et demi, enfin ouais, ça fait un mois et demi, hein, clairement, que la mage 2.29 est implantée. Et lorsqu'elle fut implantée, et que bon, c'était juste après l'après-bac, hein, c'était dès que je me suis remis à Dofus après le bac, bah il y a eu la mage 2.29. Et ça fait maintenant un mois et demi que je vous sors une vidéo par jour, voire même 2 vidéos par jour. Du coup, je tenais le rythme, c'était pas très compliqué, mais je pense qu'en fait, il arrive un moment où il faut se dire que il y a des choses plus importantes, que ce soit dans la vraie vie ou même, voilà, il y a des choses plus importantes que Dofus, hein, ça c'est sûr. De toute façon, je le répète tout le temps, mais c'est pour ça que je pense que je vais prendre du recul, je vais prendre tout ce temps-là, puis même de toute manière, on est en vacances et pour moi, les vacances, c'est pas geeky, tout simplement. Rester devant son PC comme ça, jouer à Dofus, voilà. Après, je vous dis pas non, je joue pas à Dofus, non, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'en fait, j'ai envie de prendre l'air, j'ai envie de ne plus forcément tout le temps sortir des vidéos à chaque fois parce que je me dis qu'à 14h, faut que je le sorte, enfin, faut que je la sorte. Je trouve ça un petit peu bon. J'aime toujours autant faire des vidéos, mais je veux juste prendre du recul sur ça en tout cas. Sinon après en fait il y a un deuxième facteur, c'est la mise à jour, enfin c'est enfin plutôt les mises à jour en fait. Je trouve que les mises à jour en fait elles sont de plus en plus longues entre chaque mise à jour. C'est-à-dire que là ça fait un mois et demi et la mage 2.30 on n'en a toujours pas parlé, que ce soit sur la bêta ou sur l'officiel. Ça me fait un petit peu peur, j'ai l'impression qu'ils vont mettre 2 mois et demi pour sortir la mage 2.30. Alors qu'en plus, on attendait justement la mage sur le Dofus Turquoise, qui n'est toujours pas arrivée. Donc encore une fois, hein, de toute manière, c'est toujours pareil. Alors je pense que ça va venir à la fin du Ghoul Terminator, d'ailleurs que je suis pas du tout. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Et puis voilà quoi. Bon, quand on passe un certain nombre d'heures de jeu sur la nouvelle mise à jour et qu'ensuite on n'a pas grand-chose à faire, encore une fois, voilà, je le dis, c'est relié justement au premier facteur, hein. Les mises à jour, l'ennui, le fait de ne rien pouvoir faire. Alors oui, on pourra toujours me dire oui, mais t'as encore des quêtes à faire, oui, mais t'as encore des duos hardcore à faire. Certes, mais il y a des choses qui ne m'intéressent pas forcément, et c'est pour ça que bon, j'ai pas forcément envie de me forcer à faire des choses que je ne veux pas faire. C'est surtout bon, voilà, pour les mises à jour que je trouve assez longues. Après voilà, c'est pas moi qui décide justement de sortir ces mises à jour, et puis bon. Après voilà, hein, c'est la décision d'Ankama, hein. Enfin bref, ça c'était justement pour le deuxième facteur. Alors après, il y a un troisième facteur qui, je pense, est sans doute le plus intéressant, hein, celui qui a. C'est le meilleur, on va dire, hein. C'est tout simplement l'impact en fait de la vie IRL. Je trouve en fait, hein, depuis maintenant un certain temps, que Dofus, bah à vrai dire depuis toujours, hein, la vie IRL passe avant Dofus, certes, mais je trouve maintenant que bon, pendant les vacances, hein, tout ça, il fait beau, etc. Et je me dis que bah il vaut mieux en fait, hein, profiter de la vie. Et je pense que je pense vraiment, hein, qu'il y a des personnes qui se rendent pas compte en fait de ce que c'est la vraie vie. Et bah, franchement, je vous incite vraiment à, je sais pas, à déconnecter le PC pendant quelques heures, sortir dehors. Alors après, c'est vrai que je dis pas, je ne dis pas que dans Dofus, il y a que des geeks. Non, c'est faux. Il y a évidemment tout plein, enfin, il y a plein de types de personnes, mais il y en a vraiment qui, voilà. Je pense que, en tout cas, moi, je vous invite, hein, à, je sais pas, essayer une semaine comme ça, sortir dehors avec des potes, bref. En tout cas, je pense que, en tout cas, moi, pour ma part, hein,
Je vais justement consacrer ma vie IRL. Enfin, en tout cas, en ce moment, je pense que ma vie IRL est beaucoup plus passionnante que Dofus. Ça, c'est même le moins que je puisse dire. D'ailleurs, j'ai justement un programme de musculation que je compte. Alors après, c'est un programme de musculation, mais c'est pas forcément dans une salle de muscu. Du coup, bon, peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire que juste la vie IRL passe avant, en ce moment même. Hein, enfin, comment dire ça? En tout cas, la vie IRL est plus importante que sur Dofus. Voilà. Ensuite, bah, il y a le dernier facteur. Alors, le dernier facteur, en fait, c'est tout simplement le fait que lorsque je sors des vidéos, il y a quand même des personnes qui arrivent à venir, mais tout le temps, hein, c'est bon, qui arrivent à venir et qui arrivent à critiquer. Alors, il faut pas confondre. Je dis pas que je n'accepte pas les critiques. Alors là, c'est même tout le contraire. J'accepte toutes les types de critiques. Cependant, enfin, tous les types de critiques, cependant, il y a des critiques qui reviennent sans cesse et qui, pour ma part, je trouve que c'est assez pathétique parce que bon, ils critiquent, on va dire, un certain nombre de détails. Alors, certes, personne n'est parfait dans ce monde, de toute manière, personne n'est parfait, même moi je le dis clairement, hein. On a tous nos défauts et c'est comme ça, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre que les youtubeurs sont justement des personnes normales. Je sais pas, les gars, on est absolument comme vous, hein. On a une tête, on a une bouche, on a des oreilles, on a un nez aussi. On n'a pas de dents, bah non, on n'a pas de dents évidemment. Non, je plaisante évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des personnes, par exemple, hein, c'est dans ma dernière vidéo justement que je vous ai sorti sur Brad Pitt. Enfin bon, c'était deux Coliseum. Il y a par exemple des personnes qui me disent, ouais, mais Joy, t'aurais pas dû dire ça à la fin. Nanana, si tu veux être un bon youtubeur, il faut pas dire des méchancetés. Alors bon, déjà, en aucun cas je n'ai dit de méchanceté. J'ai uniquement dit, d'ailleurs, si je me rappelle bien, qu'en gros, bon, vu que c'était moi qui rushais, vu que j'avais des stuff PVM, j'avais le désavantage, du coup, bah, j'ai perdu. J'ai dit quelque chose comme ça, et je pense que bon, il y a des personnes à qui ça n'a absolument pas plu. Bon, alors, déjà, il faut pas confondre une chose, c'est que là, je fais pas du tout de coup de gueule, mais alors pas du tout. Je dis juste les choses comme elles sont. Je dis juste que bon, il y a des personnes, je sais pas, qui arrivent à venir voir en fait mes vidéos et qui se disent, ah bah tiens, j'espère que Joy va faire un faux pas, comme ça, je vais bien le rabaisser dans les commentaires. Alors sachez que déjà, ça ne me touche absolument pas. D'ailleurs, bon, ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi que je sors des vidéos, c'est pour ça que maintenant, je vous le dis maintenant. Jusque là ça m'a pas touché et d'ailleurs ça me touche toujours pas, c'est juste que je vous dis les choses comme elles sont, que bon voilà, on fait des efforts pour sortir des vidéos et qu'il y en a et qu'il y aura toujours des personnes hein, pour vous critiquer, mais encore une fois je vous le dis, j'accepte les critiques qui sont constructives, qui ont une certaine objectivité, et il y en a qui en ont pas du tout, c'est-à-dire ils viennent, ils disent ouais Joy t'es nul, blablabla. Bon, jusque là ça m'a pas touché, encore une fois je vous le dis, ça ne me touchera pas. Jusque là, bon, je m'en fiche royalement, c'est juste que je vous le dis comme ça. Mais bon, alors après, il faut prendre en compte que si je fais une pause, c'est absolument pas pour ça. Ça, c'est, on va dire, c'est le plus petit facteur, c'est juste pour vous dire les choses, voilà. Enfin bref, voilà, j'espère revenir en tout cas hein, très bientôt. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, parce que bon, du coup, voilà, bon, j'essaie un peu. Enfin, en tout cas, j'essaie de prendre du recul sur ma vie. Dofus, je compte pas arrêter. Il faut pas non plus hein, s'affoler. Je vais pas arrêter du tout, surtout que maintenant on a atteint les 10 000 abonnés. C'est pas maintenant que je compte m'arrêter, mais c'est juste que je pense que y a des vidéos à sortir et voilà, il faut vraiment essayer de les construire et faire quelque chose de cool et pas d'inintéressant. Enfin bref, voilà, c'était Joystick. J'espère que bon, cette vidéo bon explicative hein, vous a plu. Je vais pas non plus me forcer à faire des vidéos de toute manière, vous le savez, hein, je sais que bon nombre d'entre vous me soutiennent et franchement merci à vous. Parce que bon là c'est vrai que depuis tout à l'heure je parlais des personnes qui arrêtaient pas de me critiquer alors qu'il y avait rien derrière, hein, il y avait aucune explication. Bref. Du coup voilà, c'était Joystick. Je vous dis bon, malheureusement pas demain. Je vous dis bah je sais pas, suivez-moi sur Twitter, je vous dirai peut-être quand je reprendrai, mais ça sera un minimum pas avant une semaine. Voilà, j'aimerais bien me reposer les vacances. Enfin, à vrai dire non, c'est pas vraiment du repos vu que je vous ai dit hein, en ce moment dans ma vie justement, j'essaie de m'améliorer
que ce soit au niveau physique ou même mental, mais surtout physique actuellement. Mais bon, voilà, bon, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, je vous dirai ça dans une autre vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, les gars!